Dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'attaque au trophée platine de Batman Arkham Asylum. Afin de rejoindre les 2,3% des joueurs l'ayant déjà obtenu, mon plan d'action est chargé. 1. Finir le jeu une première fois en mode normal pour m'habituer au gameplay. Ça marche pas ça. 2. Résoudre les 240 énigmes de l'homme mystère. Oui, 240 fucking énigmes. 3. Réussir les 16 défis combat et infiltration. Les défis combat de l'enfer. Et enfin, finir le jeu en difficile. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. On était en live, tranquille, quand soudain, j'ai voulu faire mon américain et lancer une roue des platines. Là, la roue tombe sur BioShock. Comme c'était plutôt cool, on a relancé une nouvelle fois la roue qui s'arrête sur... vous le savez bien, vous avez cliqué sur la vidéo. Je soumets donc au vote dans le chat les deux jeux, et laissez-moi vous dire une chose à vous qui avez voté pour Batman. Je vous... C'est infernal! Oh merde! Non mais franchement, regardez dans quel état vous m'avez plongé. L'aventure débute dans le charmant asile d'Arkham, où Batman y escorte le Joker qui semble bien trop content de refaire un séjour chez les fous. En arpentant les longs couloirs des soins intensifs, on croise un charmant monsieur crocodile. Et là, le Joker ne trouve rien d'autre à faire que de nous faire part de son humour fin et raffiné. Ça me fait penser, il me faut vraiment de nouvelles chaussures. Bon, c'est parti. Le Joker parvient à se libérer et semer le chaos en m'envoyant ses sbires. Un peu d'action ne me fera pas de mal, car ce sera l'occasion pour moi de décrocher le premier trophée et d'entamer la chasse en réalisant pas moins de 5 mouvements de combat. Combo d'enchaînement 5. Et bim, et voilà, premier trophée. Il n'y aurait pas des collectibles ici avec tous ces points d'interrogation? Monsieur, oula! Et bim! Ah bon sang, et la Mike. Bon, alors, porte verrouillée, du coup j'ai un objectif j'imagine. Et oui, j'ai un masque, c'est là où j'ai défoncé tout le monde. Oh, je crois qu'il y a après un avoir retrouvé là. Mon chemin, je vais devoir entreprendre un sauvetage choquant en neutralisant Zaz dans la salle de pacification des patients. S'il vous plaît, vous devez le sauver. On va voir ce qu'on peut faire. C'est juste que je connais pas les boutons, mais on va le sauver. Ok, il y a un étage. Carré. Rond. Boum. Bam. On ramène cet animal dans sa sauf cellule. Sauf pas choquant. Pour le prochain trophée qui peut être manqué, je veillerai à n'oublier personne en sauvant deux gardes et un sbire du Joker en décontaminant une salle emplie de toxines. Oui, mais par où? Par là. Je pars à la recherche de l'animal qui a fait ça. Voilà. Pas croire qu'il m'ait laissé là, espèce de... Yes, n'oubliez personne. Et deux, trois. Alors, là c'est fermé, donc on va aller par là. Avant de quitter cette zone de l'asile, j'évite l'erreur médicale en survivant à l'assaut du sbire déformé par le Joker. On peut pas avoir un trophée ici? Vas-y, viens là. Il va me jeter un gars. Tiens, mange dans ta face. Oula, il est pas content. Ah non! Pourtant j'ai esquivé. Qu'est-ce qu'il a? Ah non, il meurt tout seul. Éviter l'erreur médicale. Survivre à l'assaut du sbire déformé du Joker. Bon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Y'a rien ici en fait. À quoi il sert cet endroit? Bon, là y'a rien, on est d'accord. Ouh, y'a plein de méchants. Bam. Bam, 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 bam. Oh, je suis nul en combo, qu'est-ce qui se passe? Truc là, j'ai la place. Attrape. Attraper un batarang n'importe quel mode de jeu. Qui me parle? On va peut-être avoir un trophée lié à l'histoire là. Trop stylé. Né libre. S'évader des soins intensifs et regagner la surface de l'île. Ok, je pense que c'est là que le jeu commence. La piste est chaude. Il y a beaucoup de méchants là-bas, j'ai l'impression. Ah, combo x10. Allez, il y a quoi maintenant? C'est qui le patron? Voilà, ah, x19, x20, allez hop, deux trophées, je suis chaud. Bam! Où je pourrais rentrer? Ah, voilà. Et bim. Hop. Il te
Ah, analyste d'Arkham. Résoudre 5% des défis de l'homme mystère. Là, il y a du monde. De toute façon, j'ai pas le choix de le faire en infiltration. Bon, alors, les petits salopards, comment je les attrape? Moi, ils sont partout, hein. Ouh, j'aime pas l'infiltration. Meurs. Mais qu'est-ce qui... Mais dispersez-vous. Le prochain trophée me demandera de sauver 3 médecins en bien fâcheuse posture. Ah putain, ils m'ont vu. J'espère qu'il est pas tué dans l'explosion. Non, c'est vrai. Lui, il est pendu comme ça. Tu peux peut-être le faire tomber. Il est mort dans le film. Oh, l'ordonnance. Attention, mon Damien, tu risques de devenir fou. Je dois recommencer à tuer des gens, là. Meurs. Allez, comme ça, là. Clac. Je suis trop gentil, Batman. C'est un problème aussi. C'est un Batman qui veut pas tuer les gens. C'est un problème. Il est trop gentil. Pour le trophée suivant, j'affronte pas sans mal mon premier cauchemar de l'épouvantail. Oh, mon Dieu. On y est. C'est pas là que je dois aller, les gars. Là, je sais pas ce que je fais. Ah, si, c'est là. On voit à mes yeux que j'ai les yeux un peu rouges. J'ai un peu fonfon. Ah, il me dit de sortir, ben je sors. Ah, ça c'est génial. Papa. Maman. On y est. Allez, grimpe, vite, vite. Non, non, non. Bien sûr, j'allais pas réussir du premier coup, c'est sûr. Ok. Allez, hop là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Faut faire quoi? Rêveur éveillé. Pouf. C'était intense. Mais dis donc, j'ai pas trop galéré finalement. Après avoir secouru le commissaire Gordon des mains d'Harley Quinn, le Joker réveille un vieil ennemi rancunier de Batman en lui injectant de la sauce magique. Ok. Ça se passe comment? Oula. Vas-y mon gros. Et bim. Ok, j'ai compris. Ok mon gros. Vas-y, cours vers moi là. Vas-y, 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 vas-y. Ah, vengeance de Bane. Je sais pas où on va, mais on y va. Tac, 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 tac. Hop là. Ok, et maintenant... Ah oui, j'ai l'air d'aller dans la bonne direction en fait. Alors... Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Enquêteur secret. Résoudre 10% des défis de l'homme mystère. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, les gars. Monter à la surface par les égouts. Ok, est-ce que je peux planer? Genre comme ça, je suis là. Je plane et j'arrive à tomber. Allez, on tente. Ah non, on peut pas tenter. Il s'accroche. Il sait parler aux femmes, hein, celui-là. Trouver un chemin menant au manoir d'Arkham. Ah non. Tac 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 tac. Mais j'avance mine de rien. Ouh. Entrée par effraction. Obtenir l'accès à l'administration après que le Joker l'a verrouillé. J'aurais dit déverrouillé. Désormais. Ouf. Alors, sauver les otages, c'est bon, c'est fait. Et le manoir d'Arkham pour trouver les notes du Dr. Young avant le Joker. Ah oui, je viens de là. C'est le manoir tout entier, c'est pas que la bibliothèque que je dois... J'ai aucune idée de ce que je dois faire là. Ça m'agace un peu. Ça, je suis déjà passé par là. Ça me gonfle. Je suis, c'est pas courir. Je vais devenir fou. Ah, ça me rend ouf. Hein. Je déteste ça. Je me suis tapé tous les étages. Donc à gauche des deux gars, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Là... Y'a rien. Mais t'as pas l'aura du docteur? C'est quoi l'aura du docteur? Un truc que tu dois suivre de base. Fouiller le manoir d'Arkham pour retrouver les notes du docteur Young avant le Joker. Bah, je pense qu'il les a trouvées avant moi. Je me casse, moi. C'est ailleurs, en fait. C'est pas dans la bibliothèque, c'est dans le manoir. Ça doit être ailleurs, c'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Suis-je victime d'un bug? Il y a marqué « Fouiller le fucking manoir d'Arkham pour retrouver les fucking notes du fucking docteur Young avant le Joker. » Faut-il parler à Stavroti? Je me casse d'ici. Mais dans le hall principal?
Ok, déjà, faut repartir de la bibliothèque. Le gars repart de la bibliothèque. Il part. Je rêve. C'est juste cette porte-là. Je vais tellement les défoncer. Usé d'avoir erré de longues minutes dans la bibliothèque qui ne contient pas encore les notes du Dr. Young, je soulage mon agacement avec le prochain trophée qui consiste à suspendre un sbire et le relâcher pour effrayer un autre. Quel farceur ce Batman. Ouf, un trophée. Ok, ça c'est cool. Ça me remet du baume au cœur. Maintenant, la concentration reste totale. Du coup, il faut que je trouve un truc pour ensuite avoir son ADN. Il était où le coffre ? C'est là. Ah voilà. Dang. Ok. Donc elle est partie, elle a ouvert la porte. Je suis arrivé par où, non ? Ah ouais. Oh ! Cassage de balls en bonne et due forme. Qu'est-ce que c'est ici ? Je suis dans un cul-de-sac. Qu'est-ce que je fous là ? Je suis enfermé là. Je veux sortir d'ici, putain. Je vais aller ailleurs. Il faut que je repasse là-dedans. Ouais, je suis revenu là. Comment on sort de ce fucking endroit ? Ils ont mis des fucking chaises là, genre je peux pas les enlever. Ah, je peux sortir par là. C'est... On est à nouveau ici. Ok, elle est passée par là. Putain, mais oui. À côté des deux gars. Et voilà. Alléluia. Sauver le Dr. Young de Zaz dans le bureau du directeur. Une espèce de gaz là. Non ? Ouais, mais c'est le manoir de ma famille en fait. Ah ! Bah voilà le gaz. On revient dans un trauma de l'enfance là. Ah non. Oh, je suis un petit garçon. Je me disais bien qu'il y avait une espèce de gaz. C'est de la bonne quand même, parce que les hallucinations que ça provoque, son truc, c'est chaud. Bon, alors, comment on fait ? Oh là là, il m'envoie des méchants. Oh là là, je suis foncedé. Un cours. C'est super long là, hein. J'espère que si je meurs, je recommence pas du début. Hein. Ensuite, je grimpe là. Je fais ça, je cours pour aller plus vite. Je me baisse. Oh là 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 là. Je suis tendu, Je vais attendre là un peu. Go. Yes. Cauchemar récurrent. Affronterez vos plus grandes peurs et gardez votre équilibre mental. Yes. Let's go. Ouh. Faut que je le tue d'une manière spéciale ou... Ah, ok. Il sort sa tête un moment. Boum. Une entache de tronc. Zaz remis à sa place. Empêchez Victor Zaz de tuer le Dr. Young. Ah. Bye bye Dr. Young. Ah, elle est morte la peau. Bon, alors, nouvel objectif. Trouver le directeur. J'aimerais bien comprendre les combos, comment ça fucking marche. Bon alors, j'explore un peu vite fait. Toilette des dames. Pour le trophée qui m'attend, je dois mettre la main sur Harley Quinn pour la mettre hors d'état de lui. Est-ce qu'elle serait partie, la petite coquine ? On te dit pas, on te dit rien. S'ouvre pas, comme par hasard. Bon, il y a un truc qui va pas là, les gars. Je peux pas aller là. Donc à un moment, c'est relou, en fait. Ok, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Ah, bah elle est là. Elle est là, ça y est. Tu vas voir. Mais genre, elle passe à travers les barreaux. Ah, isolement cellulaire. Pleure, tu pisseras moins. Ok, comment je sors de cet enfer ? Ok, on sort de là. Ah, il y a des fous partout, maintenant. Viens là, Elastico. Et bam ! Des dodos. Je suis pressé, j'avais envie d'avoir plus de trophées, là. Ok. Ah, penseur original. Résoudre 25% des défis de l'homme mystère. C'est ça qu'on veut, nous, des trophées, on veut des trophées. Ok. Vous le sentez, là, que l'infiltration va être pénible ? Non, mais... Bon, comment allons-nous gérer cette phase d'infiltration ? Parce qu'il y a vachement de monde. Il n'en reste que 3 ? Quel est ce bruit ? Ah mais j'ai plus de vie ! Bam ! Je me suis pas trop mal débrouillé, hein. Le bordel. On dirait les fils qu'il y a derrière mon meuble télé. Mais... Ah non, j'ai pas du tout voulu faire ça. Il est où l'opérateur, en fait, ce motherfucker ?
comment je me déplace l'air de rien. Vous avez vu un petit peu cette infiltration de fou là? Mon gars, t'es pas prêt. Hein. Chut. Alors, c'est qui Batman? C'est de l'art. Franchement, on pouvait pas mieux faire. Parfois, j'ai des fulgurances comme ça. Ouh, eh ben dis donc. On a eu chaud quand même. Hein. Bon, alors il faut que j'aille où maintenant? Vas-y, je vais aller là. Comment on va là? Ah ok, tout simplement comme ça. Parfois, je suis con. Oh putain, c'était là. Ici, je dois vaincre un titan sans batarang, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Vaincre un titan sans batarang? Ok. Wow! Oh putain, ils sont super rapides. Enfin, c'est surtout moi, je suis très lent, quoi. Oh, ça va être un carnage. Allez! Allez, mange! Mange! Tiens! Ah, c'était cool, ça. Hop là! Ah, faudrait que j'en tue un avec le batarang et l'autre sans. Allez, tapez-vous, là. Faites quelque chose. Yes. Allez, mange-toi ça. Grosse bof dans ta tête. Ok, on tient un truc, là. Ah. Ok, je commence à comprendre. Yes. Je pense que c'est bon. Ouh. Corps à corps, éliminer un ennemi infecté par le titan sans utiliser le batarang. Ah, c'était tendu, hein. Ah là 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 là. Double problème. Vaincre deux sbires titans d'un seul coup. What is the fuck is donc? J'ai sauté dans le vide, comme ça, là. Allez, saute, Batman. Et accroche-toi à ça, là. Accroche-toi, motherfucker. Reviens au milieu de la pièce. Tu pourras pas passer. N'insiste pas. Mais que dois-je faire, alors? Moi, j'insiste, hein. Examine les bidons, je ne sais plus. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah. Non, 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 non. Ça y est, j'appelle mon avion. Yes. Ok. Il m'a donné un queutru. Une tyrolienne. Eh ben, ça y est, j'ai tous les gadgets. Eh, mine de rien, on avance. Alors, synthétiser un composé anti-titan. Trouver Poison Ivy en suivant les traces de ses phéromones. Je sais qu'il nous a trouvés, mais je l'empêcherai de vous toucher. Attends, je lui botte pas le cul tout de suite. Je peux pas sauter, là. Je suis Batman et je peux pas marcher sur le toit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Trésor vient de finir sa part du boulot. Pia, testons-le. Non, non, je suis toujours... Ah, ah, j'ai kiffé. Non, non, je suis toujours là-haut. Ah, je suis en train de craquer. Quelqu'un a compris le jeu d'hier soir. C'est normal, ça? Là, j'avoue avoir eu un peu peur que la carte mère de ma PS5 ait grillé. Mais je résiste à la peur en affrontant mon dernier cauchemar. Pourquoi lutter, Batman? Résister à la peur! Oh là 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 là! Il est maintenant temps de se rendre dans le réseau souterrain pour affronter le monsieur crocodile de tout à l'heure. Bon, ben on va affronter un croco qu'il va falloir que je cours après. Oh! Il m'a attrapé le pied! Ouais, je suis mort. Mon dieu, j'ai peur. Maman! J'ose pas me retourner en fait. Il est gros le croc. Vas-y, mange ça dans ta tronche. Tac. Et moi, je continue d'avancer du coup. Ok, easy en fait. Waouh, 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 waouh. À gauche, à droite, à gauche. Il est bien relou ce jeu quand même. Je suis pas dans la bonne direction. Dame, c'est pas par là? Eh merde. Putain de... Putain mais... Putain mais... Putain de vis de merde! Oh merde. Je vais faire commencer les 500 mètres là, j'imagine. Hello darkness my old friend. I've come to talk to... Franchement, c'est une épreuve ce jeu pour moi. Oh putain! Putain! Me fais pas recommencer les 500 mètres. Okay.
Yes. Ah, l'arme de crocodile. Ah, putain, je suis en souffrance, les gars. Ah, en fait, faut que je retourne dans le jardin botanique. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Sympa l'ambiance ici. La déco est cool. Ok. Mais que va-t-il donc se passer? Ah, la tension. Je suis tendu. Bon, reste tranquille. Oh, je sais, là, faut faire un trophée, les gars, je crois. Allez, hop, voilà. Hop, hop, 3, 4, 5, vas-y, paye ton trophée. Oh. Mais il m'esquive celui-là. Ah non, j'ai pas eu de trophée. Attendez, rodéo des monstres. Montez sur un titan et abattre 10 malfrats. Allez, viens là. Allez, mange. Allez, viens. Rodéo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, j'adore. Voilà, rodéo de monstres et un trophée, on adore ça. Je suis mort? Mais non. Et tiens. Et voilà. Voilà, je suis Batman. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense que je peux faire autre chose là, non? Direction jardin botanique. Oh. Mais je vais mourir. Je peux pas lire. Ah, Batarang. Oh non, le fail. Dans les balls. Bam. Oh non, même pas. J'ai loupé les balls. Il a les balls en fer ou quoi? On va pas viser les balls, en fait. Hein. Dans ta touche. Je retourne au jardin botanique pour mettre aux arrêts la paysagiste des lieux. Alors, à votre avis, je vais galérer comment? Vous qui l'avez fait, le pire c'est Poison Ivy ou c'est Joker? C'est dégoûtant. Bon, alors, ok. Elle plante un truc, ça fait sortir des trucs du sol. Ok. Comment je peux l'atteindre? Je dois faire quoi? Batarang quand elle ouvre sa protection. En attendant, il faut que j'esquive. Allez, bim! Tu dis quoi maintenant? Oh merde. Ah merde! Parce que là, il lui manquait pas grand chose, hein. Non. Putain! Ça me prend de la vie, ça. Mais non! En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête quasiment pour lui lancer le batarang, et du coup, c'est là que je me fais toucher. Ok. Non, mais non, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oh mon dieu. Ah mais j'ai repris de la vie, cool. Non. Putain. Oh putain mes doigts. Waouh. Ah mais je recommence à la deuxième phase. Ah c'est cool. Ah ça va en fait. Voilà. Casse-toi toi. Putain, non. Alors, c'est qui le patron? Ivy empoisonné. Oh! Comment je l'ai def! Allez à la fête. Super, on va aller à une fête. J'adore les fêtes. Ok, vas-y, c'est parti. Quand tu arriveras à la fête, tabasse les méchants pour un trophée. C'est-à-dire que je les tabasse. Moi, je tabasse toujours les méchants. Je tabasse tout le monde. C'est tout ce que j'ai à faire. Tu vas à la fête, tu bats le Joker et ok, on va à la fête. C'est eux qu'il faut que je tabasse? Il y a une fête ici, les gars. C'est parti. Wouhou. Trouble fête. Alors que je croyais enfin attraper le Joker, il me tend une ultime embuscade avant que j'aille lui régler son okay. Coup. Ouh, ouais, il y a du monde, hein. Putain. Mais putain, j'appuie sur triangle. Putain. Pour les deux derniers trophées de la première étape de mon plan d'action,
Il me suffit de vaincre le plus méchant des vilains, qui lui aussi s'est injecté de la sauce magique. Oh putain, il a vraiment une sale gueule, hein, c'est chaud. Pourquoi il a fait ça, il est complètement con. Je vais un peu vite ici car on devra le battre dans mon run en difficile. Donc restez bien jusqu'à la fin car j'en ai pas fini avec lui. Et boum, terminé le mode d'histoire, facile. Méga boum, terminé le mode d'histoire, normal. Waouh, wow. Quelle histoire. Maintenant que cette première partie est terminée, il me reste 147 énigmes à déchiffrer, 5 améliorations à débloquer, puis 22 biographies à trouver pour réaliser la deuxième étape de mon plan d'action. Comme je reporte souvent les tâches qui m'ennuient, je m'offre un peu de fun en planant du point le plus haut de l'asile pour décrocher le prochain trophée. Oh merde, un planant nocturne. Cool. Bon, maintenant, il est temps de rechercher tous les collectifs du jeu. Déchiffreur d'énigmes. Élucideur d'énigmes. Quin. Viking. Collectif. Déchiffrer l'énigme. Résoudre tous les défis de l'administration sur la ligne. Le meilleur détective du monde. Esprit d'Amadeus Darkham découvert. Ok. Troisième et avant-dernière étape, ce que vous attendez tous, et ce qui constitue pour moi le réel défi pour obtenir ce platine. Le défi combat de l'enfer. Bon, mon skill légendaire de chasseur expérimenté me fait défaut pour le moment, mais je parviens néanmoins, et contre toute attente, à faire tomber... Combattant déchaîné parfait, terminer un défi combat sans être blessé. Ah, cool. J'aurais pas cru. Bon, on progresse. Après de nombreux essais infructueux, je me lance sur les défis prédateurs en espérant y trouver un peu plus de succès. Ici, je dois éliminer les sbires du Joker en effectuant des actions d'infiltration bien précises. Prédateur invisible. Terminer un défi prédateur en utilisant uniquement les illuminations silencieuses et sans être vu. Yes. Prédateur bronze. Obtenir 8 médailles en défi prédateur. Et comme vous le savez, l'infiltration et moi, c'est une grande histoire d'amour. Le R1 là-bas. Comme ça, le gars à côté ne me voit pas. Là, on refout du gel. Ensuite, tyrolienne. Hop. Je reprends le gel. Je mets du gel ici. Ensuite, R1, je me mets un peu sur le teco, voilà. Ah. Mais putain, comment on fait? Je suis passé sur lui, comment on fait? Utiliser la tyrolienne, viser avec L2, puis déclencher avec L2 plus R2 pour traverser une fenêtre et atterrir sur un ennemi. Je suis atterri sur ce putain d'ennemi de merde! Mais putain de merde! Pourquoi? Je t'ai niqué! Putain! Jamais de ma vie je touchais un Batman, mais plus jamais quoi! Tiens, t'es mort! Batman? Hein, tu m'entends? Non mais tu me tutoies pas en fait, je suis pas ton pote! Je suis tous vous massacrer, putain! Oh non! Oh non! Oh non! Même si l'étape 3 n'est pas encore terminée, j'ai besoin de faire autre chose que ces fucking défis, et de prendre de l'avance sur l'étape 4 en commençant mon run en difficile. Commencer une nouvelle partie. Ok. Difficile. Ne choisissez cette difficulté que si vous êtes un expert, ou si vous êtes très courageux, ou inconscient. Parti. Je vais avancer dans l'histoire. Je speedrun le jeu même. J'ai pris la bonne direction, je pense. Je suis chaud. Mais que fait la secrétaire? J'ai perdu mon combo. Je déteste perdre mon combo. Oh merde. Mais à hurler.
Tellement que ma femme est venue, mais calme-toi, tu vas y arriver, t'es le meilleur. Je savais très bien que j'étais pas le meilleur puisque j'y arrivais pas. Mais elle était patiente, elle a essayé. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon deuxième défi, elle était là à m'encourager comme ça. Donc, dédicace à toi, ma chérie, merci. Ouh, là, il va y avoir de l'infiltration. Et hop, toi, t'es mort. Tintin. En fait, s'il y a quelqu'un que j'aime pas, je vais lui suggérer de platiner ce jeu. Je le mets au défi de le platiner. Et le mec, ça va le rendre ouf. Ou alors, ce salopard, ça se trouve, il arrivera tranquille, easy. J'ai un pote comme ça. Sur les trucs où je galère, lui, il me fait « Bah, je vois pas où t'as galéré, je comprends pas. » Ah, ça me fait rager. On a tous un pote comme ça. J'en peux plus de ce jeu, il faut vraiment que le platine tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Putain, 39, j'étais un combo d'avoir mon fameux trophée, quoi. Putain, les gars. Mais le platine n'est plus très loin. Là, je fais vraiment le mode histoire pour me vraiment rentrer le truc de manière un peu plus agréable. Parce qu'en vrai, là, je passe pas un mauvais moment à refaire l'histoire. Plastico, c'est juste là. Ok, là y a rien. C'est un peu dur. Ouh, c'est ici qu'il faut faire le x40. Et ce serait cool de l'avoir. Ce serait cool. J'entre dans la banque sans faire tac tac. Oh non, ouais, ça commence mal. Il y a du monde en tous les cas. Allez, on prend son temps. Non, le bâtard. Oh putain de merde. Ouh, ça m'agace. J'ai donc rien appris à travers toutes ces heures de jeu. Contre toi. Le secret de ce jeu, rappelle-toi, c'est de ne pas rager. Ne rage pas. Tu peux le fucking faire. Oh non. J'y ai cru. Je veux me débarrasser de ce trophée à la con. Ok, un pour toi. Moi, j'appuie pas sur contre. Mais celui-là, là. Mais calme-toi. Toi, donc ta gueule. Toi aussi. Toi là. Ma femme, ah t'es en live, je savais pas. Personne savait visiblement que j'étais en live ce soir. Allez, j'en ai plein le cul là. Putain, tout à l'heure j'ai fait 39. J'ai fait 39, putain. Mais putain, en fait, il y a vraiment un truc que je comprends pas dans le jeu là, quoi. Mais putain, vous faites la queue pour mettre des taquets là, c'est comment en fait? Et voilà, coup de pied dans le vide, c'est abruti là. Dans ces moments là que je déteste le jeu. Un coup, double X, carré, double X. Non! Putain, j'étais à 39 tout à l'heure. 39 quoi, sans forcer. Mais vous êtes sérieux là? Si le jeu je l'avais en physique, je te promets, le CD je le prends, je le plie en deux quoi. Mon jeu il est cassé. Double quoi, carré, jeu de bouffon. Avoir un trophée de bouffon. Fallait tous bien niquer vos... Putain, je crois qu'il va se passer un truc. Je crois que je vais réussir. C'est un truc de fou. Et il s'est passé un truc, regardez la manche 1, quoi. 7425, mieux que la manche 2 et 3, quasiment réunis. Allez. Ah, merde. Concentre-toi. Putain, yes. Déchaînement bronzé, j'ai que deux... Ah merde, fallait faire combien? Déchaînement bronze, on avance. Ouf, on y est presque. Je suis à fin à 41 trophées sur 48. Oh damn, j'en peux plus de ce jeu. En plus j'ai vu quoi? Sur Discord, j'ai vu que Rise, il arrive. Je déteste ce commentaire. À chaque fois que je cherche sur des forums, sur Internet, comment on fait pour ce trophée platine, oui, 15-20 heures, les défis sont chauds, mais rien d'insurmontable. Je déteste ce truc, rien d'insurmontable. Putain, pourquoi j'appuie sur ce bouton? T'es con. Putain, je crois que je l'ai. Oh, putain, il me manque 190 points. Oh, putain. Oh, merde. C'est l'enfer.
Perfection. Oh, perfection d'enchaînement, mais non. Mais ah, ah, ah putain. Ah putain. Ah putain, je l'ai eu. Ah putain, 5000. Oh. Oh, trop content. Ok, allez. Ah merde. Mais non. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Putain. Et j'ai des poils de chat dans le nez, ça me fait chier. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal ce que j'ai fait là. C'est pas mal. Putain, que x6. Allez. Merde, j'ai perdu le combo comme un con. Putain, ça y est, je l'ai. Yes. J'aurais plus besoin de le faire, ce truc-là. Oh, j'ai 5000 de plus. Oh, c'est beau. Maintenant que j'ai ça, je m'approche du platine. Parce que je commence à avoir le truc des combos. On va essayer ça, ça se trouve ça. Je vais réussir direct. J'annonce. Je réussis direct. Plus personne qui me fait peur. Allez, je suis chaud. Non, non, non. On va recommencer. Et moi aussi. Après, je vais pouvoir dire quoi? Rien d'insurmontable. Bam. Alors, il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Bam. Bam. On y va, on continue. Ok, non, ça c'est pas bon. Hop là. Hop là. Oh merde. C'était pas trop ouf. Putain, c'est pas sérieux. Putain, j'espère que j'ai les 2000 points. Ah! Oh non! Oh non! J'ai des poils de chat qui me chatouillent le nez, c'est horrible! Et bim! Ok, on y arrive! On y arrive! Ok, c'est bon! Putain, il en reste beaucoup encore! L'enfer sur terre, quoi! Oh! Oh! Mais c'est quoi ce skill de malade? J'ai déjà les 3 batarangs! Un skill de variation x9! J'ai bonus de déchaînement parfait! On a déjà 36 000 points, il reste une manche! Mais yeah. Ah, j'ai marché dessus, là. Ah, ce défi-là, j'ai marché dessus. Allez, hop, ça, c'est fait, c'est réglé. Putain, t'as un trophée à force, hein. C'est pas mal du tout. J'ai eu une petite frayeur, j'ai cru que tu n'enregistrais pas. Ça aurait été terrible. 50 000, là. 50 000. En vrai, je peux faire 50 000, maintenant. C'est une autre marge de progression, quoi. Ah, merde. C'était pas ouf du tout. C'est pas ouf. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est con, là. Je suis mauvais. Putain, ils sont passés où, mes réflexes? Putain, c'est vraiment plus dur. Boum, x57. Oh putain, je vais avoir les 50 000. Oh, déchaînement d'argent, yes! Ah putain, mais quel... Oh, oh putain, je suis trop content. Ah, c'est trop bien. Waouh. Ok, choc et effroi extrême. Ah, quel con. Ah merde. Et quoi, c'est quoi? Faut juste... Oh. Ouh, ouais, là, le problème, c'est pas les points. C'est pas les points, ça va être le temps. Je crois que c'est celui-là le plus dur, en fait. Ouh, choc et kétas. Oh, la vache. Mais c'est tellement dur. Mais c'est pas vrai. Allez, c'est bon, là. C'est bon, ça m'a gonflé, là. C'est bon. Mais merde. Mais non, c'est bon. Mais non. Mais non. Mais non. Mais merde. C'est l'enfer. Putain de merde. Putain, fais pas ça. Putain, petit con. Mais putain, yes. J'ai fait un truc de ouf, là. J'ai fait un truc de ouf, là. Putain, une manche. Il me reste plus une manche. Ça n'a pas fonctionné. Non, non, qu'est-ce que t'as fait? Tu peux encore le faire. Ah non, non, mais non, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais franchement, pourquoi? Non, 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 putain, ça... Oh non, putain, mais putain, c'est incroyable. Mais non, j'ai appuyé sur le bouton. Putain, putain, mais je peux pas l'esquiver. Non, non, mais non, pourquoi? Mais quoi? Mais putain, et pourquoi t'as tapé dans le vide? Pourquoi? Mais non, non, je voulais pas viser le macro couteau. Ah, il faut que ce soit l'autre couteau qui arrive. Allez, putain, je les ai vus, les éclairs, là. Pourquoi tu me butes pas? Mon gars, tu les ai... Oh, putain, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi, mon amour. Oh, putain, qui lance cette putain de truc, maintenant. Oh, putain. Oh, merde. Ce score est ridicule. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Très très dommage, ça c'est très très chiant. Oh yes, j'ai réussi. Paye ton trophée, paye ton fucking trophée. Ouh, déchaînement or. Oh, c'est terminé. Oh mon dieu, c'est terminé. Les défis combat derrière moi. Plus qu'un défi prédateur à réussir afin de décrocher les 2 prochains trophées avant de retourner à la dernière étape de mon plan d'action. Yes, yes. Terminer les combos, les défis pour moi, Predator Or, obtenir 24 médailles en défi Predator.
Et donc, parfait chevalier. Terminé, 100%. Pouf. Il me reste plus que finir le jeu en difficile. Waouh. On y retourne. Ça paraît simple quand on regarde comme ça, mais appuie sur triangle. Mais ça ne l'est pas. Je sais que vous voyez le truc contre marqué. Vous voyez contre et vous dites, mais pourquoi elle appuie pas? Parce que j'appuie sur un autre bouton au même moment. Oh non, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Oh non, oh non. Oh putain, mais quel jeu. Quel jeu. Franchement, vous lancez pas dedans les yeux fermés. Hein. Si la patience n'est pas votre meilleur allié, le sang-froid, la précision, l'excellence. Après ça, il nous reste que le Joker avant le dernier trophée qui nous sépare du platine. On va pas s'arrêter là. Laisse-moi le défoncer. Oh non, il me reste plus qu'un tout petit peu de vie pour tous ces petit salopard. Aïe. Oh. Wow. Putain, les gars, c'était chaud. C'était chaud. Enfin, les gars, on y est presque. Oh mon dieu. Joker, je sais pas si c'est si dur que ça, parce qu'en fait, le Joker, tu te bats pas vraiment contre lui, hein, je crois. C'est plus simple, le Joker, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Même s'il est assez impressionnant, quand même. Juste faire gaffe aux petites bombes au sol. Ok, on va voir. On n'a jamais été aussi proche du platine. Mon dieu, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, hein, on peut pas sauter dessus de lui. Ok, bon, faut certainement le skip là, parce qu'il m'a pris à la moitié de ma vie. Je peux pas aller défoncer les bombes. Donc va-t'en la bombe. Batarang pour les bombes, ok, merci. Ah c'est là que je l'attrape, non? Mais non, c'était nul ça. Il fallait que je l'attrape dans le dos là. Bah oui, grappin. Ok, c'est plus facile avec les Batarang. Ok, y'a quoi? Ah merde. Là faut que je fasse quoi? Faut que je le def? Ouais, faut que je le def. Allez, redonne-moi de la vie maintenant. Et lui, faut faire quoi là? Faut que je l'esquipe? Eh ouais, je me disais bien. Ah, c'est toi le vilain. Est-ce que je peux l'attraper au grappin quand il y a encore des gars? Ok. Ah oh, non. Ah oh, non. Allez, cette fois c'est bon. Oui, je l'esquive. Ok, ça c'est bon. Maintenant, envoie tes potes. Allez. Mange. Ça, c'est fait. Ok, viens par là, toi. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tout gâché. Oh non. Allez, 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 allez. Allez. Plus qu'une fois. Il y a des grosses griffes. Je crois que c'est bon, là. Je crois que c'est bon. Putain, ils sont beaucoup, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, c'est l'enfer. Putain, Damien. Oh oui, 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 oui. J'en ai tellement chié sur ce platine. J'en ai tellement chié. Et puis de le faire en normal, en difficile. 240 collectibles, les gars. Ce jeu, c'était vraiment une horreur, quoi. Une horreur à platine. Surtout quand tu travailles à côté et que t'as pas 3-4 jours à jouer, à le poncer. C'était de le reprendre comme ça après. Ah, oh, super méga boom. Et donc... Trophée platine. Yes. Progression globale des trophées, 100%. Merci pour vos GG, les gars. Merci. C'était le désespoir. Ma femme, elle était là. Mais doucement, calme-toi. Tu vas y arriver. Donc, je disais, non, j'en ai marre. J'étais fou. La différence est énorme entre finir un jeu et platiner un jeu. Faire le jeu Batman, là, je me serais arrêté après mon run normal. Bon, bah voilà. Mais en réalité, il y a bien plus de la moitié du jeu qui t'est délivré quand tu chasses le platine. Et le lore est énorme dans ce jeu. Donc voilà, je l'ai autant aimé que je l'ai détesté. Et Dieu sait que je l'ai détesté, ce jeu. Je l'ai dit pendant quelques lives sur Twitch. Et clairement, je pense vraiment que c'est le plus dur que j'ai fait. Ça, moi je suis très content, parce que là, Batman, j'y toucherai plus. Et je suis bien content de le ranger, quoi. Je suis bien content de le ranger. Et il est pas mort, l'épouvantail.